Voici le guide complet des défis récits, partie 2, le raid sur Redline Rig. Le premier défi va vous demander d'obtenir des renseignements auprès de l'écumeuse Fluo et de Mâchefer. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir parler à deux personnages qui se trouvent sur la map. Donc vous voyez les emplacements actuels. Donc le premier se trouve ici à gauche et le deuxième il se trouve en bas. Dès que vous aurez parlé à ces deux personnages là, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une carte de sécurité sur les gardes de Redline Rig. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Redline Rig et ensuite vous allez devoir chercher un garde de sécurité pour obtenir sa carte. Donc là, je vais chercher après un garde. Ok, j'en ai trouvé un. Maintenant, je vais tout simplement l'éliminer et logiquement, je vais obtenir sa carte. Donc parfait, là, je récupère sa carte et dès que vous aurez récupéré sa carte, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de transmettre les données des terminaux de Redline Rig à Hop. Donc quand vous avez récupéré la carte, vous allez devoir vous rendre aux emplacements où il y a des points d'exclamation à Redline Rig pour justement transmettre les données des terminaux à Rig. Dès que vous aurez interagi avec les trois terminaux, ben là vous aurez terminé le défi. Les deux prochains défis vont vous demander de détruire des structures et d'infliger des dégâts à des adversaires au dépôt de Mégalodon ou à Brutal Beachhead. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux deux emplacements qui sont indiqués sur la map, donc à Brutal Beachhead et au dépôt de Mégalodon. Et ensuite, à cet emplacement-là, vous allez devoir détruire 20 structures. Donc les structures, c'est tout simplement les murs, les sols, les plafonds, les tonneaux, tout ce que vous allez pouvoir détruire sont comptabilisés pour des structures. Donc dès que vous en aurez détruit 20, bah là vous aurez terminé le défi. Et pour le défi suivant, ils vont vous demander d'infliger un total de 500 dégâts aux adversaires. Donc dès que vous voyez un adversaire, ben vous leur infligez des dégâts. Alors moi, ce que je vous conseille pour trouver des adversaires très facilement, c'est tout simplement d'aller à Beachhead pour infliger des dégâts au bot qui se trouve là-bas pour protéger le boss. Donc même si vous infligez des dégâts au boss, ça validera pour le défi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'infliger un total de 500 de dégâts au bot. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de voler la gemme de Pandore à Brutal Beachhead. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Brutal Beachhead, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous avez justement la gemme de Pandore. Donc là, vous allez devoir la récupérer. Et quand ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de remettre la gemme à Pandore Hop. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à Sandy Step. Et là, vous allez devoir parler au personnage Hop pour lui rendre la gemme. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Code créateur